Dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 13, pour y venir dans verset 14 là. Jean 4, verset 13, pour y venir dans verset 14, m'appelez-vous, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Je connais déjà depuis plusieurs jours et n'a boué ensemble, n'a réfléchi ensemble, n'a béni autour de thème ça. Jésus-Christ, c'est source qui baille la vie. C'est dans le dialogue Jésus avec la femme samaritaine. Une histoire que tout le monde censé connaître, même si là, qui part dans le Seigneur, même si là, pas jamais consacré les pieds l'Église, il connaît l'histoire ça à très bien. Donc, ce côté femme-là, vient prendre l'eau et pour le capable de boire. Donc, vient prendre l'eau, c'est un bagage qui est tout à fait normal. Donc, quel que soit le monde qu'il y a, il n'y a pas qu'à fonctionner sans l'eau. D'ailleurs, yo dit l'eau c'est un élément qui est indispensable à la vie. Donc à la vie, c'est pas la vie humaine seulement, mais c'est la vie en soi. C'est que bête besoin de l'eau, plante yo besoin de l'eau, puis bois yo besoin de l'eau et l'homme besoin de l'eau, etc. C'est que pour montrer niveau importance de l'eau gagne. Et il y a un monde qui est tellement avancé plus loin, qui dit tout côté qu'il y a de l'eau, qu'il y a un sel, monde capable de vivre. Donc c'est que les femmes, ça, ils connaissent le besoin de l'eau, ils prennent de l'eau, et dans le puits, Jacob te fait. Et Jésus-Christ lui-même qui a passé voilà. Donc c'est une occasion en or, c'est une opportunité qu'il y ait pour Jésus-Christ pour le rencontrer avec femme ça et dialoguer ensemble avec lui autour de la vie qui pas chambre finiant. Donc texte là pas veut dire prendre l'eau pas bon. C'est pas ça le veut dire. Il pas veut dire monde pas doit aller de l'eau, c'est pas ça le veut dire. Mais on peut comprendre dans texte là Jésus comparer là avec l'eau qui va la vie. Pour qui ça? Il comparer là avec l'eau, c'est du fait que femme dans c'est l'eau qu'elle prend. Et puisque femme nan, c'est de l'eau qu'elle prend pour l'apaiser soif lui, c'est de l'eau qu'elle prend pour l'être capable donc accomplir les besoins lui, nécessité lui. Jésus-Christ utilise donc même sa dame qu'elle prend qui c'est de l'eau et pour le capable arriver faire une comparaison. Mais bien aimé dans le Seigneur, permettre moi dire l'homme en soi gagne soif. Et c'est soif qui te fait damner à prendre l'eau. C'est besoin qui te fait damner à prendre l'eau. De quel que soit mon lien, il y a rien de besoin. Il y a des vides à combler. Quel que soit mon lien. Il est tout à fait naturel. Mais permettre moi dire tout ça l'homme a cherché. C'est la soif que vous gagnez, ça va empêcher après quelques minutes, après quelques heures, après quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même quelques années, l'homme soif la refaire surface. Ça va empêcher ça. Donc, vous pouvez comprendre la femme samaritaine qui vient de l'eau. Mais ça va empêcher constamment, elle a toujours vient de l'eau. Pour qui ça? Parce qu'elle a toujours besoin de l'eau. Même besoin de ça, elle a satisfait pour un petit temps. Après l'autre temps, besoin yo a fait surface. Mais Jésus-Christ, pour aller parler avec femme, non, il prend l'ouïe intelligence femme, non. Son niveau besoin, qui a gagné, ça c'est besoin de l'âme. Niveau besoin, ça, Jésus prend l'ouïe intelligence femme, non. Il prend faire femme, non, comprendre.
besoin ça que l'homme en général gagne, depuis le pas satisfait, l'homme a tout chargé problème. Et une fois qu'il satisfait, il satisfait pour la vie. Mais soit l'homme non, il a pesé bon titan. C'est comme ça la réalité. L'homme a cherché bonheur, tout partout. L'homme a cherché pour combler vigno, tout partout. L'homme a cherché pour satisfaire besoin, tout partout. C'est normal. Mais, t'aimes nous bagaille. Dans toute recherche, ça yo. En dépit de tout, l'homme compte toujours été insatisfait. L'homme compte toujours été insatiable. Ça a lui posé problème. Mais Jésus-Christ dit femme, non. L'eau qui m'a baillé là, automatiquement, mon mouel. Quand des vides nous gagnent la vie, qui c'est vide de l'âme, les satisfait pour la vie. C'est ça Jésus-Christ dit d'amnant, d'amnant étonné. Parce que d'amnant pas jamais entendu, il y a un tel discours. C'est pour la première fois, d'amnant entendu qu'on monde qui satisfait besoin définitivement. Amen. C'est pour la première fois, d'amnant entendu qu'on monde qui comble vide monde définitivement. C'est pour la première fois, ça est parti d'amnant. Parce que d'amnant, lui fait histoire. Jacob passé, lui fait prière, prière pas satisfait besoin monde définitivement. Moun vin prendre l'eau, yo allé, y a tourné encore. Donc prière, lui pas satisfait besoin éternel de l'homme. Lui pas comblé vide l'homme pour la vie. Mais d'amnant comme Jacob. Jacob c'est pas pâle. Jacob c'est ton grand. Eh bien, si Jacob ton grand, lui pas satisfait besoin pour la vie. Mais on homme paraît, les vins pour satisfaire besoin pour la vie. Ça, les censé pousser d'amnant à la curiosité. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, lui prend image de l'eau. Pour que ça prenne image de l'eau, c'est pour le capable de faire d'amnant comprendre. Les vins pour des solutions avec problème qui a traversé l'humanité. Les vins comblent le vide que l'homme gagne. Et vide qui fait l'homme a fait toute démagogie qui existait. C'est ça Jésus vient faire. Dans Jean chapitre 6, le verset 35. Verset 35. Jésus-Christ va à Jérusalem. Il va faire une déclaration. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ah, Jésus-Christ va l'expliquer, d'amnant. Ça la Bible dit. Donc d'amnant pas le capable. Via déclaration ça. D'amnant pas le capable, mon petit idée. Parce que à Samarie, l'idée dit c'est le bail la vie. L'arrivée va à Jérusalem. Les démons qui croient dans moi, pas j'en soif. Pas j'en soif qui ça? Est-ce que c'est pas j'en soif l'eau? Non! C'est pas j'en soif l'eau. Mais soif qui fait, moun pas qu'à satisfaire. Soif qui fait, moun pas qu'à dire à manger bon Dieu, soif ça a coupé. C'est ça Jésus-Christ voulait parler. On peut comprendre que les gens qui vidéo, besoin comme les vidéos, qui filment cocaïne, vivent tout net. Après un petit temps, vide la fait surface. Soif la fait surface, il fait un pire. Quel monde qui gagne l'argent, les sentis sont vite liés, ils volent au pire. Bon élément, on est capti, mon capti. Bon, on est qui te gagne volo. On joue le couteau, on chantier manger. Pour contre lui. Lui, il faut qu'il faut pas résister encore. Parce que, trop, on y a trop de vent. Votre lui, pas qu'il prend encore. On y a trop. Et puis, il dit, monsieur, pour qui sont les gens qui ont besoin de volo pour grand goût? Monsieur dit non, moi je ne pas de volant pour grand goût. Garde un chose, j'ai mangé, je me quitte. Même je ne pas manger tout. Pour qui ça? Pour une histoire qui est belle là, je ne sais pas manger tout. Après, monsieur volant, il règle. Parce que gagne un vide. Bon vide, monsieur volant, il règle. Jésus à Jérusalem. Il dit automatiquement, mon courant dans moi. Soit mon ça, passe. Vide mon ça, comblé. Automatiquement, vous le croyez dans moi. Vous le savez satisfait. Parce que, il y a des problèmes qui ont traversé. Pas grand rien dans le monde, ça cause. Il y a des vies qui ont gagné. Pas grand rien pour combler vite ça. Il y a des soifs qui ont gagné. Pas grand rien. Qui a passé soif ça. Pas rien qui a passé là. Bon, je vais prendre ça. Pas bon, je vais prendre la femme samaritaine. Femme samaritaine de mon soif. Bien qu'elle passe 5 personnes déjà, soif la pas de chambre qui a passé. Soif la pas jamais passé. Soif la demeure, puis raide. Au point que le bras arrive dans le cafou, le bras passe, mais le bras n'est pas pour lui. Le bras arrive dans le cafou, le bras n'est pas pour lui. Parce que soif là,
li vle passer soif li pendant que soif qu'il gagne pas rien absolument rien dans monde ça qui capable. Et ça fait Jésus pour aller à Jérusalem pour soif ça passer. Faut qu'on croit dans moi. Faut qu'on condition pour soif la passer là, faut qu'on croit dans moi. Aïe, première condition, croire dans Jésus-Christ. C'est impératif pour croire dans Jésus. Dans Jean chapitre 7, le verset 37, pendant la fête, pendant la fête, Jésus pourrait paraître, lui camper à Jérusalem. Pour lui dire quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est que sous soif, pas pour lui monter des sons. Sous un vide qui n'est pas qu'à combler, pas pour lui monter des sons. Et pas là, solution y est. C'est pas dans marché volant, solution y est. C'est pas ça. C'est pas dans marché filmé, solution y est. C'est pas ça. Solution, c'est dans Jésus-Christ. Il y a des gens qui fatiguent dans la montée des sons. Il y a des gens qui fatiguent. Parce qu'ils vont vivre, il faut